te transmettre le petit plus qui fera la différence dans ton basket. Si j'étais coach d'une équipe de basket, je devrais gagner des matchs. Mais voilà, moi je ne suis plus un coach d'équipe, je suis un formateur qui aime rendre meilleurs ses joueurs. Je suis un éducateur qui veut transmettre son savoir. Je suis un père qui veut au plus profond de lui le meilleur pour ses enfants et ceux des autres. Je suis l'enseignant basket qui guide vers la réussite. Je suis tout cela depuis 2016 avec ma méthode que j'ai développée et tu sais quoi, le pire, c'est que ça marche. J'apporte quelque chose de plus que les autres ne transmettent pas à leurs joueurs. J'ai toujours aimé transmettre à mon prochain ce que la vie m'a appris, ce que le basket m'apporte chaque jour. J'ai une liberté de penser qui me permet de donner mon savoir sans aucun filtre. L'éducation doit être un partage de connaissances. Et depuis 1982, ma passion du basket m'a permis d'emmagasiner beaucoup, beaucoup de savoir. Transmettre à quelqu'un, c'est naturel pour moi et sans doute ce qu'il y a de meilleur dans le partage entre deux personnes. Ainsi, à 46 ans, ma passion du basket, du savoir et de la connaissance, me pousse à toujours transmettre plus à mes joueurs. Ce qui est certain, c'est que je suis un guide vers la performance basket qui transmet des techniques de haut niveau, une méthode de travail, un programme pour augmenter ton physique, ta détente, des conseils précieux pour gagner du temps, des solutions d'orientation scolaire et basket, un meilleur mindset, mon expérience, mon expertise. Alors, c'est quoi le plus que je peux te transmettre ? Eh bien, lorsque je termine une séance avec un joueur, il y a un signe qui ne manque jamais. Le sourire du joueur, ce sourire qui veut dire « J'ai appris avec toi, coach, et donc je suis meilleur maintenant. » La dernière fois que j'ai vu ce fameux sourire, c'était hier. Un jeune de 14 ans qui a traversé la planète pour sa passion du basket. J'ai utilisé ma méthode habituelle sur son tir extérieur qui avait besoin d'une sérieuse modification. Après 20 minutes de séance et une série de 49 tirs marqués sur 50, j'ai vu son sourire. Je savais que je l'avais guidé vers la bonne gestuelle et donc vers la performance et que plus jamais il ne serait le même joueur à présent.